Dimanche matin, on est bien, on va se faire une petite vidéo en toute simplicité. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et de même ici sur YouTube. Je suis comme d'habitude super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut toujours donner des idées. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 ou 29 novembre, quelque chose comme ça. On est dimanche matin. J'avais envie de vous tourner une vidéo haul, voilà, sur deux colis que j'ai reçus, donc deux commandes que j'ai effectuées. Une sur le site internet de Benitex et l'autre sur le site de Driessen Stoffen. Donc j'ai reçu les colis dans la semaine et je les avais pas encore ouverts parce que je manque de temps en ce moment. Oui, enfin en ce moment. Et voilà, là c'est le week-end, je me suis dit, moi je vais les ouvrir et après tout, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour voilà, montrer les tissus, pour donner des idées, parce que j'ai envie de faire une vidéo où je vais vous montrer les tissus et vous dire ce que je projette en fait dedans. Donc ça va être une vidéo un peu haul, projet futur, cadeau de Noël aussi, vous voyez. Donc, donc voilà, je vais me lancer dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de spécifique. On commence. Peut-être éventuellement, faites comme moi, prenez un petit thé parce qu'en plus il fait super froid aujourd'hui. Oh, ma chienne vient de faire tomber tous mes cartons. Bon, on met pause et on revient. Alors, on va commencer par Benitex. Donc, Benitex, si vous me suivez maintenant, vous savez que franchement, ça reste mes chouchous. Donc là, on a un gros carton. Il n'est pas spécialement lourd, hein, mais il est, bon, voilà, il est assez imposant. Benitex, j'ai acheté peu de coupons, enfin pas grand-chose. Je me rappelle plus du montant, de toute façon, je vous le dirai, je vous indiquerai les prix, etc. Et par contre, ils ont été, comme d'habitude, ultra, ultra rapides au niveau de la livraison. C'est-à-dire que j'ai commandé, je crois, samedi dernier, et je l'ai reçu, sachant que le samedi, en fait, ils ont fermé au niveau de l'entrepôt. Et j'ai reçu mon colis en point relais, parce que j'ai demandé en point relais. Le mercredi, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, mercredi. Donc franchement, enfin, comme d'hab chez Benitex, ultra rapide. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est trop cool quand on est pressé comme ça de recevoir ces tissus. Ils sont au top. Donc allez, je vais ouvrir le colis. Oui, donc là, j'ai ma facture entre les mains. Bon, bah j'ai pris 5 tissus. Donc voilà. Pas pris énormément. Au niveau du. J'en ai eu pour 59 euros. Voilà. 59 euros. Alors, ce que. Oui, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous dire aussi. On voit le bout du carton. Je vais vous dire pour quel projet. Et si je ne le vous. Enfin, si je le dis pas, c'est volontaire. C'est que pour le moment, il y a peut-être une personne qui est susceptible de regarder la vidéo qui ne doit pas savoir. Donc, voilà. Excusez-moi, Eden, tu veux pas aller accessoirement dans ton panier? Va dans ton panier Louloute, s'il te plaît. Oui, mais c'est pas une punition. Va dans ton panier. Merci, madame. Voilà, ça évitera les tic-tic-tic. Alors, Benitex, allez, pour faire rapido, Benitex, c'est un entrepôt de tissus et un site marchand qui se trouve donc à Bobigny, dans le 93. Il propose une multitude de tissus, de choix, de matières. Ils ont des prix ultra attractifs. Ils ont des qualités qui sont vraiment, enfin, je trouve très bonnes. Alors, c'est comme tout. Il y a des fois, vous allez être déçus et des fois, vous allez être super contente. La plupart du temps, quand même, ça fait maintenant, bah, c'est simple, j'avais Théo, donc ça va faire, ça fait plus de 4 ans, presque 5 ans que je suis cliente chez eux, que ce soit en physique, parce que Bobigny, c'est pas trop trop loin de chez moi, ou sur leur site, j'adore. Je les trouve ultra commerçants, ils sont adorables, ils sont de super conseils, enfin, c'est une équipe qui est vraiment au top, je les aime beaucoup.
Comme d'habitude, si vous ne savez pas et que vous souhaitez faire votre première commande chez Benitex, je vous laisse mon code parrainage ici. Il vous permet sur votre première commande, à partir de 58 euros d'achat, de bénéficier de 5 euros de réduction, enfin 5 euros en moins sur votre commande. Et moi, ça me permet de récupérer aussi 5 euros. Donc, on va dire que c'est du gagnant-gagnant. Louloute! Aucune obligation d'utilisation, mais au moins vous avez l'information. Allez, c'est parti. Donc, premier coupon. Alors, coton, oui, c'est ça. Coton imprimé, fleurs enfantin, multicolore. Je crois que c'était 6,90 € le mètre, mais il y avait des promos de mémoire sur le site. Donc voilà, c'est un coton, une popeline de coton. C'est pas un coton, c'est une popeline de coton. La couleur que vous voyez est ultra fidèle. C'est totalement ça. On est sur un verre d'eau avec des petites fleurs. Elle est belle d'ailleurs aussi la popeline. J'en ai pris combien? Un mètre? Non, il y a plus d'un mètre là. Bon, alors visible. Ah, mais je crois que c'était. Non, je sais plus. Bon, alors visiblement, j'aurais commandé un mètre. Très clairement, on a beaucoup plus qu'un mètre là. Je sais pas, je pense que je vais pas m'amuser à mesurer parce que déjà que la vidéo, à mon avis, sera longue. Mais. Ouais, non, mais on a clairement plus d'un mètre. Hein. On a clairement plus d'un mètre. Voilà, ça aussi, c'est Benitex. C'est de la générosité. Donc, alors, cette popeline, pourquoi je l'ai achetée? Je l'ai achetée pour Noël. Pour ma mère en l'occurrence, je vais lui faire des cotons démaquillants. Vous voyez, des petites lingettes avec de l'éponge de bambou. Et je trouvais que ce motif était très joli et s'y prêtait plutôt bien. Donc voilà. Bon, autant vous dire que je vais avoir beaucoup plus que nécessaire. Mais pourquoi pas? Je pense que je vais lui faire un pochon aussi. Un petit pochon qui ira avec les lingettes démaquillantes. Donc voilà pour ce premier tissu. De mémoire, il était, je crois, encore en stock. Après, je ne vais pas m'amuser, je suis désolée, hein, mais à vous mettre tous les liens en barre d'infos. Clairement, je vous laisserai un petit peu fouiner parce que là, si je fais ça pour Benitex, si je fais ça pour Dressenstofen, plus les patrons que je vais vous intégrer au montage, non mais sinon, dans 2 mois, j'y suis encore. Donc vous m'excuserez, je vais vous laisser en toute autonomie. Voilà. Ensuite, on a un coton imprimé. Pourquoi je vais l'imprimer? Ah oui. Alors non, eux, ils appellent ça toile Lorraine 100% coton impression, motif petit ourson fond bleu. De mémoire, c'était 6,90 aussi le mètre. Et voilà. Vous voyez la bonne couleur, c'est ça. C'est un verre d'eau aussi avec des petits nounours, des petits oursons et des petites feuilles. Ouais. Je le trouve aussi très joli. Très joli. Donc là, j'en ai pris 2 mètres, je crois. Hein. 2 mètres. Ouais. Oh! Oui, bon, les 2 mètres, ils y sont. Oh, ils sont trop généreux. Donc voilà, ça, alors, je viens de voir. Je ne vous dirai pas, c'est pour un cadeau, donc voilà, la personne est susceptible de regarder la vidéo, donc j'en parlerai pas. Vous le verrez plutôt dans le podcast. Et donc c'est écrit quoi? Mathurin certifié, ok. Certifié Ecotex. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, oh oui, c'est beau ça. Ouais. Ensuite, on a un molleton gratté double face uni gris anthracite chiné. Ils étaient à 9,90 € sur le site. Clairement, il n'est plus en stock. Enfin, en tout cas, je sais que j'en ai pris 2 mètres et j'ai pris, je crois, les 2 derniers mètres. Donc, eh ben, c'est clairement du. Ah merde, par contre, il n'est pas extensible. Oh, si, un petit peu. Ouais, vite fait, hein. Donc voilà, un sweat. Oh, bah voilà. Oh, bah on l'a vu, on ne le voit plus. Si, on le voit bien. Si, vous voyez bien, c'est ça. Donc, un sweat. Donc, ça, c'est l'endroit où, voilà, bon, bah, c'est chiné. Hein.
Et l'envers, c'est de la polaire. Mais clairement, c'est ultra doux. C'est ultra doux. Par contre, au niveau... Ouais, si, un petit peu. Mais franchement, vraiment pas beaucoup. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais il est très, très beau. Il est très, très beau. Ouais, bon là, c'est pareil. Les 2 mètres, je les ai easy. Et donc ça... Ce tissu-là, c'est pour faire un pull Henri. En fait, à mon frère, je vous mets la photo du modèle ici, de la Maison Victor. Et ça, c'est pour Noël. C'est lui qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu peux... Enfin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu... Enfin, est-ce que, voilà, tu voudrais un truc spécifique pour Noël? Il m'a dit, j'aimerais que tu me fasses un pull. Donc, ouais, je trouvais ça trop mignon. Voilà. Et j'ai pris, alors... Aussi le molleton gratté uni en teinte bleu pastel, donc pareil 9,90 €. Lui il est encore en stock je crois. Et ça c'est pour chéri. Voilà, ça c'est pour faire un pull à chéri. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah la couleur est très très belle. Très jolie. Bah voilà, c'est exactement la bonne couleur. Alors, bleu pastel, non. On n'est pas sur du bleu pastel, on est sur du mint. On est vraiment sur un vert d'eau là. Et je trouve que vous voyez très bien la couleur. C'est pas du bleu pastel. Non, non, non. Et bah, on est pareil. Ouais, lui, on dirait qu'il est encore moins. Il est encore moins extensible. Ouais, il est moins extensible que le. Que l'autre. Je sais pas pourquoi ils disent molleton gratté double face pour le anthracite. Et pour celui-là, ils disent molleton gratté. Parce qu'en vrai, c'est pareil. Hein. Derrière, c'est de la polaire. Et devant, bah, c'est du... Je sais pas si vous allez bien voir. Bah, c'est du jersey. Enfin, c'est le V des jerseys, quoi. Et donc, là... Oh, on a les 2 mètres aussi, là. C'est bon. Par contre, ouais, très, très beau. Très beau. Ça, je sais que monsieur, il va adorer. Alors, pour le pull... De monsieur, mon idée n'est pas encore arrêtée parce que lui, il aime pas trop les pulls à capuche. Et il aime beaucoup les pulls col rond. Donc, soit je fais mon modèle maison, qu'il aime bien, hein, il adore. Soit je regarderai peut-être dans mes LMV, mais il est quand même très, très chiant. Donc, je pense que ça sera le modèle fait maison. Et puis dans les chutes pour les enfants. Parce que 2 mètres, j'en ai plus que 2 mètres. Et je crois que moi, je prends 1,50 m. Non, plus quand même. Oh, je sais pas. Bon, en gros, voilà, il est très beau. Il est très beau, il est lourd. Et alors, pour celles qui se demandent, ou pas, je vous le dis, Driessenstofen, clairement, ce type de tissu s'est vendu dans la catégorie jogging. C'est exactement ça, c'est le sweat sur l'endroit, la polaire sur l'envers. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, je vous dirais que le sweat... Ah bah d'ailleurs, ce que je porte là, c'est du Driessenstofen. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur, c'est de la moumoute. Mais on a carrément plus... Il est plus... Voilà, il est plus stretch, celui de Driessenstofen. Et ce n'est pas les mêmes prix non plus, parce que de mémoire, Driessenstofen, c'est... 6,95 € le mètre et là c'est 9,90 €. Donc ce ne sont pas les mêmes. Visuellement, oui, mais ils n'ont pas le même, la même élasticité. Voilà. La même extensibilité. En tout cas, il est très très beau. Je suis contente. Je suis contente. Mais où c'est que je vais encore ranger ça? Alors oui, je fais un point là. Souvent, enfin, vous me direz, ah, il y a beaucoup de tissus, machin. Alors déjà, d'une, j'ai envie de vous dire, c'est ma vie. De deux, j'ai envie de dire, c'est mon compte bancaire. Et de trois, oui, il y a beaucoup de tissus parce que je couds pour moi, je couds pour mon conjoint, je couds pour mes enfants. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, mais est-ce que des fois ça me gonfle? Oui. Donc concrètement, bah oui, dans mon atelier, j'ai tous les tissus, printemps, été, automne, hiver, pour nous quatre. Donc forcément, ça prend de la place. On ferme la parenthèse. Et enfin, dernier truc que j'ai pris. Dernier truc que j'ai pris de la ouate. J'ai pris de la ouate en 100 grammes. Elle était à 3,50 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres.
Bon voilà, rien de spécifique. Ça va aller avec le cadeau. Le cadeau, enfin ce que je veux faire dont je ne peux pas vous parler. Donc ça sera dans le podcast, le futur podcast, je pense. Parce que là, mon Dieu, je vais devoir coudre, mais ça ne va pas être de la couture pour moi, hein, très clairement. Je pense qu'on est nombreuses, hein. Là, ça va être la couture pour Noël, les cadeaux. Donc voilà. De la ouate, tout simplement. Et c'est quoi ça? Oh, ouais, bon. Bon, ok. On va dire que c'est un échantillon de molleton. Molleton gratté, c'est du French Terry. C'est du French Terry. Eh ben, je suis presque dégoûtée, j'ai presque envie d'en acheter. Merci beaucoup, Benitex. Alors, je n'ai pas demandé d'échantillon, et je crois que de mémoire, on ne peut pas demander d'échantillon sur Benitex, mais on est d'accord que c'est quand même super joli, là. On est d'accord que j'ai quand même encore envie d'acheter. Je suis déprimée, je les déteste. Non, bah franchement, c'est... Ouais, donc c'est un French Terry. La couleur, je ne saurais pas... C'est la couleur que vous voyez. Mais je saurais pas trop vous la décrire. Couleur pastèque? Non. Je sais pas. Mais franchement, je kiffe. J'aime beaucoup. Bon! Arrive pas dans le caca. Donc voilà pour Benitex. Voilà, ça a été ultra rapide. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que j'ai envie de repasser une autre commande là? Oui. Est-ce que je me sens frustrée? Oui. Est-ce que je suis faible? Mon Dieu que oui. Donc bon, voilà pour Benitex. J'ai été assez raisonnable sur Benitex et vous voyez, enfin en tout cas, je vous le dis, c'est majoritairement pour du Noël. D'ailleurs, je vais le mettre maintenant. J'ai acheté sur AliExpress des flex parce que j'achète mes flex sur AliExpress. Et alors comment je fais? Vous tapez dans l'application, enfin moi j'utilise l'application AliExpress et j'utilise Hot Transfer ou patch chaleur. Voilà. Et je tombe sur des flex et après je vais sur le vendeur. Je regarde toute sa boutique, etc. Et je fais comme ça. Voilà. Je vais de vendeur en vendeur. Je clique, je vais sur un autre truc. Je ne mets pas de mots-clés, si vous voulez savoir. Parce que vous êtes nombreuses à me le demander. Mais en vrai, j'avance. Voilà. Je vais de page en page. Donc j'ai pas de lien. En plus, je ne veux pas mettre de lien. Je veux pas mettre les liens AliExpress. Donc bah là, je suis désolée, je vous dis comment je fais, après je vous laisserai trouver, je vous laisserai chercher. Donc là, en fait, pour mon frère, alors je sais que c'est un peu chelou, hein, mais j'avais déjà trouvé des flex l'année dernière Homer Simpson, etc. Il avait adoré ça. Franchement, mon frère, c'est un des seuls dans la famille où quand je lui fais de la couture, peut-être mon père aussi, mais quand je lui fais de la couture, il est... Franchement, il est toujours content. Et bah d'où cette année, il m'a redemandé un pull, et en fait, j'ai vu ce flex-là. Et je me suis dit, ça irait trop bien. Donc en fait, il y a écrit, alors je sais pas si c'est dans le bon sens pour vous, mais il y a écrit Friends, donc amis. Et en fait, ce sont tous les méchants. Donc vous avez le clown de ça. D'ailleurs, il est en deux. Ouais, il est en deux. Vous avez Freddy Krueger, vous avez la nonne, vous avez Chucky, vous avez celui de Halloween. Voilà. Enfin, Michael Myers, c'est tout. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Et je pense que je vais le poser sur le pull de mon frère. Et donc, je l'ai payé une misère. Hein. J'ai dû payer, je sais pas, genre peut-être moins de 2 euros. Ils m'ont envoyé le mini pour aller avec. C'était gratuit, hein. Mais voilà, ils m'ont envoyé le mini flex. Ok. Et pas du tout dans le même univers, mais chez le même vendeur, j'ai acheté un énorme flex que je vais mettre sur un pull. Où en fait il y a écrit Super Mama, Mom of Boys. Et bah voilà, je trouve que c'est exactement ça. Bon, j'aurais aimé qu'elle soit blonde, mais c'est pas grave. On s'en fout. Et en fait, je l'avais acheté en deux tailles. Je l'ai pris en taille comme ça et en taille comme ça. Et ils m'ont offert la mini taille. Voilà. Donc je trouve ça super sympa. Non, franchement, ils sont très très beaux. Hein. Les flex AliExpress sont d'excellente qualité. Ils tiennent très très bien dans le temps. Ils sont très simples à poser. J'aime beaucoup leur flex chez AliExpress. Donc voilà, là c'était pour vous montrer. C'était l'occasion qu'a fait le larron, quoi. Ça ira avec le pull sur le sweat anthracite de mon frère. Donc voilà pour Benitex. Je passe au plus gros, Adrien Stephen.
Regarde le tissu. Celui-là? Oui. Oh, la vache. Ah, il est beau. Il te plaît? Ah, bah, il est sublime. T'aimes bien? Ah, il est top top, quoi. Il est top top le Vivax? Non, mais c'est super beau, hein. C'est une belle couleur. C'est sûr que ça te plaît. On dirait le bleu de la chambre de Théo. Oui, c'est vrai. C'est quoi, en pull? Mais c'est pas du bleu, ça, on est d'accord que c'est du vert d'eau. C'est pas du bleu. Bon, donc le vert, c'est composé avec du bleu là-bas, non? C'est du jaune et du bleu. C'est ouais. Vrai? Ok. Il te plaît? Ouais, il est très beau, on dirait un bleu lagon. Bleu. Bleu. On appelle ça déjà bleu de la mer quand elle est belle, non? Porte un nom. Faut qu'on aille en Corse pour voir. Ouais, c'est très joli. Bah, ouais, je veux bien. Avec plaisir. Ouais, je veux bien. On te fait le col rond. Un col V, t'en as jamais fait encore pour moi. Ah non, mais sur cette matière, t'oublies. Ouais, ouais. Ça sera pas beau. Ouais, le col rond, c'est très bien, ouais. Ou sweat à capuche? Non. Non. Jusque-là, il n'y a aucune capuche qui m'a trop... Plus. Ouais. Ok, ça marche. Et j'ai filmé quand il était là, juste pour vous dire, je le connais trop bien. Tu veux un sweat à capuche? Non. Donc, allez, je reprends avec le haul... Le hall Benitex. Non! Avec le hall Driesenstoffen. Alors, donc maintenant, hall, enfin, suite et dernière partie, ce sera le hall Driesenstoffen. Tout en sachant que il me manque, entre guillemets, deux tissus, enfin, qui viennent de chez Driesenstoffen. Donc, je les incorporerai. Oh, c'est dur à dire ça. Je les incorporerai. Plus tard, quand je les aurai reçus dans la vidéo pour que voilà, vous puissiez les voir au passage, sachant qu'il y en a un qui est plus du tout, du tout vendu. Mais c'est pour vous montrer quand même, parce que ça fait partie... Bref, on s'en fout! M'embêtez pas, hein. Alors, je vais pas vous porter le colis parce que clairement, il est trop lourd. Je vais essayer quand même... Je vais pas vous porter parce qu'il est trop lourd. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais découvrir en même temps que vous, même si forcément, j'ai l'avantage d'avoir passé la commande. Donc, je sais ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti! Donc là, je vais piocher dans le sac. Alors, il y a des choses que j'ai achetées. Dis-je ça? Oh bon. Il y a des choses que j'ai achetées que je connais déjà. Ce sont des tissus que je connais déjà. Et je vais vous dire pourquoi je les ai achetés, dans quel but. Et il y en a, par contre, que... Je suis un peu orange, là. Et il y en a par contre que c'est une première. Donc bah voilà, curieuse de découvrir. Donc allez, c'est parti. Premier tissu, il s'agit du jogging. Bah vous voyez, ça tombe. Enfin, ah ouais, non, c'est vraiment pas les mêmes. Donc ça, je suis allée dans la catégorie jogging. Vous voyez un bordeaux qui est. Il est plus un petit peu plus clair que ça quand même. Bon là, ça sature, hein. Là, ça fait framboise. C'est pas framboise. C'est vraiment bordeaux. Voilà, lit de vin. Et j'en ai pris un mètre. Ce sont pas du tout les mêmes. Non, non, franchement, c'est pas les mêmes que Benitex. Ouais, non. Là, on voit que c'est pas du tout. Ils sont plus extensibles, ceux-là. Donc, voilà. Toujours polaire à l'intérieur, jersey à l'extérieur. Ça sature. Hein. Donc, j'en ai pris un mètre. Et c'est pour faire les jogging gym de... Super Bison, il me semble, ou Icati. Je ne sais plus. Je vous mets le visuel ici. Donc ça, c'est pour faire des joggings à Nathan. Donc, un mètre. Et à mon avis, je vais pouvoir caler aussi un jogging pour Théo. Donc, 6,95 € le mètre. Là encore, je ne vous mets pas les références. Vous cliquez dans jogging. Et puis, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà, c'est du bordeaux. Les 1 mètre, je pense qu'ils y sont. Ouais, je pense qu'ils y sont. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai un peu lâché l'affaire avec mes fils. Enfin, surtout avec Nathan, le plus grand. J'arrête de vouloir lui mettre des pantalons. Pantalon jean, il me les bousille. Il y a une rapidité mais folle. Et il grandit trop vite. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il n'est pas forcément à l'aise dedans. Et puis, bah là, on est censé être déconfinés. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en gros, là, les magasins réouvrent depuis hier. Alors, moi, je suis à côté d'une grande zone d'activité, Disney et tout ça, dont le Val d'Europe. J'y suis pas allée et clairement, j'irai pas. Il faut savoir se responsabiliser quand même un minima. Je comprends pas les gens, mais bref. Et apparemment, c'était
Enfin, c'était une hécatombe. Il y avait v'là le monde. Donc moi, je ne vais pas acheter des vêtements à mes enfants. J'ai pris la décision de l'écouter parce que j'en ai aussi la possibilité. Hein, voilà. Je ne jette pas la pierre à Pierre. Hein. Mais voilà. 6,95€, 1 mètre. En plus, ouais, c'est embêtant parce que je n'ai pas les factures. Donc, et puis, ma facture est sur mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone. Donc, c'est pas vraiment... Voilà. Donc, ensuite, ça non, je vous montrerai après. Je vois rien. Bon, c'est pas grave. Allez, si finalement je monte comme stagiaire, j'ai du mal. Ensuite, j'ai acheté un jersey velours. Voilà. Un jersey velours menthe. Enfin, menthe. Mais il est très clair. C'est pour ça que quand j'ai regardé dans le sac, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai cru que c'était du blanc. Mais non, en fait, c'est un vert, mais très, 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 très clair, avec des spots argentés blancs. Et c'est vrai que la couleur, elle ressort vachement bien. En fait, c'est limite blanc. C'est quoi ça? Ah non, c'est du jogging. Ah oui, non, ça va. Donc voilà, c'est un jersey velours. Alors, je les avais déjà vus, hein. Ouais, c'est vrai que c'est super stretch. Je les avais déjà vus, et notamment un rose poudré. Enfin, un rose, voilà. Sauf que la Vivi, quand elle a voulu se décider, il est en rupture de stock. La Vivi, ultra frustrée, a envoyé un mail à ses amis de toujours Dressenstoffen en leur demandant s'ils allaient remettre le rose en stock. Et ils m'ont répondu, non, c'est terminé, on ne l'aura plus. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est-à-dire que quand j'ai envie de quelque chose et que je n'arrive pas à l'avoir, je vais me donner tous les moyens de l'avoir. Je vais tester toutes les choses possibles et imaginables pour essayer d'avoir mon truc. J'ai beaucoup de mal avec la frustration. tant que c'est faisable, etc. Patati patata. Mais donc voilà, ça c'est un des tissus que je vous incorporerai après quand je l'aurai reçu. C'est que j'ai réussi à me le procurer en rose poudré grâce à une de mes abonnées, donc Instagram Marie, où elle l'avait acheté, elle n'allait pas l'utiliser, donc je lui ai racheté. Bref, donc ce velours là, il est très très beau. C'est vrai que, en fait j'avais peur quand je m'étais dit, oh velours... Mamie, mémé, et en fait non, c'est vrai que j'aime beaucoup avec cette histoire de poids, je trouve ça très joli, en fait je me suis dit ça va faire pyjama, vous voyez, parce que velours, parce que les poids, etc. Et en fait non, c'est vrai que c'est très joli. Alors sur cette couleur là j'en ai pris, j'en ai pris deux, sur cette couleur là j'en ai pris un mètre, non je suis pas dans la largeur de l'aise là. Elle est super large la laisse, non? Enfin bon, donc j'avoue, il est super doux. C'est super doux. Bien extensible. Je suis dans la laisse là? Oui. J'ai du mal. Et j'en ai commandé un mètre. Ouais, je pense que je les ai. J'ai pas ma règle là. Mais je pense que je les ai. Ouais, je les ai. Et en fait, je vais me faire un body. Le Netty Body de Closet Core. Voilà, je me suis dit en body, parce que je voyais pas le total look pull, Donc je me suis dit en body, ça sera très joli. Avec une jupe ma belle, bien sûr. Donc ouais, très joli, je suis contente. C'est quoi ça? Là, je suis moins contente, attendez. Alors, de toute façon, ça va aller à la machine. Donc, ça va... Ouais, ça va être mis à la machine. Après, de toute façon, je suis en train de regarder par rapport à comment je vais le couper. Non, ça peut ne pas être dérangeant. Bref, en tout cas, j'enverrai quand même un mail au service client par rapport à... Non, je vais déjà laver mon tissu et après, je regarderai. Parce que ça sert à rien, si ça part au lavage, je vais pas faire ma relou pour rien, quoi. Donc voilà, ça, je l'ai payé 4,99€ le mètre. Donc j'en ai pris 1,10 m, donc voilà. Très, très beau, je suis très contente. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième directement. Voilà, je l'ai pris en bleu. Donc là, j'ai une grosse pensée pour Cathy.
Je te fais un gros gros bisou. Voilà, il est en bleu. Bah, il est très beau aussi. Hein. Très très beau aussi. C'est un bleu. Bah ça, c'est hein, pour moi du bleu ciel, vous voyez, de par rapport à Benitex. Ouais, il est très très beau. Donc, hop. Alors là, par contre, là, il y a une couille en pâté. Excusez-moi, mais j'ai demandé 1m10. Je vois tout de suite que j'ai pas. Là, j'ai pas mon métrage. Ouais. Oui, ok, activé. Là, j'ai pas mon métrage, donc je vais aller le mesurer, je reviens. Donc, j'ai mesuré, j'ai 1m pile poil. Je vais vérifier sur ma commande, mais j'ai commandé 1m10, j'ai payé 1m10. Donc, ok, c'est cool, on est content quand on reçoit plus. C'est pas un dû. En revanche, quand je paye pour avoir 1m10, je veux 1m10. Donc là, je vais faire un mail. Je suis pas d'accord. Ensuite, bah, je veux dire, quand vous allez à la boulangerie, vous demandez une baguette. Si on vous donne la baguette avec le crouton enlevé, vous n'allez pas être content, quoi. Donc, ensuite, j'ai acheté donc un... Alors, je crois que c'était Milano Jacquard, je sais pas quoi. Et en fait, c'est dans le but de faire des pulls à mes enfants. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, pour le bleu, ça sera aussi, si ça rentre du coup, ça sera un body de Closet Case, Closet Core. Donc, j'ai acheté ce... je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom. Parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il faisait vachement Noël et je vais mettre un Flex Père Noël dessus. Et je l'ai acheté pour les enfants. Je crois qu'il est... oui, il était à 4 euros le mètre. Et je vais faire les suites... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire, mais c'est un petit sweat avec un col châle. Donc, de la Maison Victor. Bon, je ne sais pas, je le remettrai ici parce que j'ai un trou de mémoire. Et donc, j'en ai pris un mètre... je crois que j'en ai pris 1m50 pour faire les deux. Alors, il est léger, hein. Il est vraiment très léger comme... Alors, il est extensible, il reprend sa forme, ok. Pas du tout dans l'autre sens. Mais il est ultra fin. Hein. Genre, vraiment très très fin. Hein. Heureusement que je n'ai pas acheté ça pour... ça pue. Pour faire un pull d'hiver. Hein. Parce que les pauvres, ils auraient un peu froid. Ensuite, alors, ça, ouais, je l'ai vu, j'ai trouvé ça tellement beau. C'est un jersey coton. Alors, il est bleu nuit, hein. Il est bleu très foncé, pas noir, avec des foils lion dessus. Et franchement, j'avoue, c'est super beau. Il est... alors, déjà, moi, le jersey coton de Dressen Stoffen, je l'adore. Je trouve que c'est une très belle qualité. Vous savez quoi, du coup, ça m'a mis le doute. Je pense que je vais tout mesurer après, parce que j'ai... ils m'ont mis le doute, là. Même si je pense que là, on a ce qu'il faut, parce que j'ai commandé 1,5 m, je crois. Donc, voilà. Oui, il est très, très beau. Hein. Alors, pas, par contre, en total look pour mes enfants. Ça sera, je pense, des petits empiècements dans des t-shirts ou des manches, mais ça ne sera pas un total look. Je ne vous l'ai pas dit, ça sera le t-shirt Oscar de Super Bison, Super Bazin, de Super Bison que je surkiffe. Donc ça, ça sera pour les petits. Très, très beau. Le prix, je crois, de mémoire que c'était 5,99 le mètre. Après, très joli. Hein. Vraiment très beau. On dirait presque des petits... enfin, des petits... comment on appelle ça? Des bonhommes de neige de loin. Comme ça, dans ce sens-là. Mais non, c'est des lions. Donc, voilà. Ensuite, alors, j'ai acheté ça. Donc, c'est du Minky. J'en ai pris 1 mètre de mémoire. Et là, je vais prendre tout de suite ma... ma règle. C'est dans le bon sens, là? Ouais. Ok, donc là, j'ai 80 cm. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais là, par exemple, j'ai 80 cm. Donc, c'est du Minky qui est jaune. Et c'est pour faire un cadeau. Voilà. Très joli. Le Minky, je connais parce que je l'ai utilisé tellement de fois pour mes enfants, notamment pour le doudou de Théo. Donc, il est, voilà, il est très, très beau. Il est extensible dans un sens, pas dans l'autre. Et puis, il est, voilà, vous avez des petites, bah, des petites boules en relief dessus. Donc, très beau. C'est un beau jaune. Très, très beau.
Ok, ensuite. Ah oui, alors ensuite j'ai acheté du scuba crêpe noir. Alors c'est très simple, je vais me faire des leggings Roxy dedans. C'est-à-dire que là je me suis rendu compte que j'ai un manque vraiment cruel de pantalons et notamment de leggings parce que j'ai pas forcément envie de mettre des jeans. Donc là il me manque vraiment des leggings Roxy et très clairement j'ai acheté, alors je crois que j'ai pris 2m60. Voilà, c'est bien extensible et en fait ça sera parfait pour faire les leggings Roxy. C'est... Alors là franchement voilà, je vais pas m'étendre. C'est très bien, 4€ le mètre. Legging Roxy, nickel. Ensuite, j'ai repris 2 paquets de Vaisling, donc un blanc, un noir, 1,99€. Vous avez deux. Ouais, vous avez 2,50 m sur 1 m, tout en sachant que vous, il n'y a pas de sens, vous vous coupez comme vous voulez. Donc voilà, je surkiffe cette Vaisling, je n'utilise qu'elle de toute façon. Je la trouve très très bien, que ce soit pour des petites blouses ou pour thermocoller des projets, comme par exemple quand j'ai eu le magnésium, j'ai thermocollé avec ça. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette Vaisling. Elle peut être considérée comme fine. Moi, je la trouve très bien. Et puis, même si elle est trop fine, au pire, vous superposez les couches, quoi. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette Vaisling. Et puis, s'il vous plaît, quoi. 1,99€. Ensuite, ça, vous voyez, c'était... non, ça, c'était un truc que j'attendais. En fait, je voulais acheter du scuba simili-cuir. Je crois que je ne sais plus comment c'est appelé sur leur site. Mais il n'y en avait plus en noir. Bah oui, je me suis réveillée trop tard. Donc, en fait, j'ai vu cette Punta, mais genre en écaille de serpent bleu nuit. Ouais, ça ressort plutôt bien. Alors, la couleur, c'est ça. Je trouve que c'est plutôt foncé, donc tant mieux. Et en fait, ça fait type simili-cuir et c'est exactement ce que je voulais. Et qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un legging Roxy. Voilà. De la Maison Victor aussi. Et ça va être parfait. Si je tire, est-ce que ça abîme? Non, ça abîme pas. Donc, c'est parfait. J'en ai pris 1m30. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je le mettrai ici. Mais voilà, c'est parfait. Franchement, nickel. Ça va rendre, ça va donner l'effet que je veux. Donc, je suis très, très contente. Attends, est-ce qu'ils m'ont mis les 1m30 là? Je vais mettre pause. Oui, c'est bon. Là, j'ai mon métrage. C'est ok. J'ai pas plus, pas moins, mais j'ai mon métrage. Donc, ça va. Ensuite, on repart sur du jogging. Donc, encore 1 mètre de jogging. Alors là, on est sur du gris foncé. Un peu anthracite, hein, en vrai, comme celui de Benitex, mais c'est pas la même qualité. Franchement, non, c'est pas la même qualité. Donc, j'en ai repris 1 mètre, tout simplement. Encore pour faire le jogging gym de je ne sais plus qui, parce que j'ai un trou de mémoire. Pour Nathan et pour Théo. Donc, je m'en fous, je vais encore vérifier. Est-ce que j'ai au moins 50 cm? C'est bon, j'ai mes 50 cm, donc j'ai mon mètre. Voilà, donc on est toujours, je crois que ça, les joggings, c'est 6,95. Et le gris, par contre, ça fait des poutres, là. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est la fête dans ma tête. Un tweeta. J'ai acheté du scuba crêpe bleu marine. Alors, même si vous voyez plutôt noir, pas noir du tout. C'est bien du bleu marine. Voilà, vous l'avez entrevu. Voilà. C'est pourquoi? C'est pour du Roxy. Un legging Roxy. Je vous l'ai dit, hein, là, j'ai vraiment besoin de pantalon. J'ai vu qu'il fallait 1m30 pour un 40. Je crois que c'est même 1m30 du 34 au 54, je sais plus. Alors, le legging Roxy, vous me demandez où le trouver? Tout simplement sur le site de la Maison Victor, en fait. Voilà. Donc, hop. Voilà, ça sera donc 4€ le mètre. J'en ai pris 1m30. Ça sera pour le legging Roxy. Ensuite, on est d'accord, je n'allais quand même pas passer à côté du soft gel. Ben non, parce que maintenant que j'ai cousu... les manteaux de mes enfants qui d'ailleurs vieillissent bien, il n'y a pas beaucoup de recul, qu'on soit d'accord. Mais ça vole bien dans le temps, puis je suis contente parce qu'ils en prennent vraiment soin. Je me suis dit qu'à 3€ le mètre, j'allais reprendre et me refaire un stock pour l'année prochaine. Donc j'ai pris ce soft gel là. Et en fait, ce qui m'a fait craquer sur celui-là, c'est les éclairs.
Parce que vous voyez, ça fait un peu genre Harry Potter. Et mes enfants aiment beaucoup trop Harry Potter. Donc, voilà, j'en ai repris 3 euros le mètre. Ça sera, clairement, je pense que ça sera pour refaire le manteau Samy de la maison Victor. C'est quasiment sûr. Je vais faire pause pour mesurer. Bon, alors j'avais pris 3 mètres et c'est pour ça que j'ai validé ce jour-là ma commande. C'est qu'en fait, j'avais mis 3 mètres dans mon panier, donc 3 mètres à 3 euros, 9 euros. Et en fait, d'un coup, j'ai eu un message qui m'a dit « Attention, il reste plus que 2,9 mètres de dispo. » Et là, je me suis dit « Ok, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter, donc faut que je valide pas tout de suite mon panier, sinon j'aurai pas mon métrage. » Et en fait, bah là, en l'occurrence, j'ai à peu près 3 mètres 30. Donc bon, c'est cool, mais voilà, moi, à partir du moment où j'avais au moins mes 2,9 mètres, j'étais contente. Donc, voilà, très très beau. Il est doublé à l'intérieur avec de la polaire bleu ciel. Franchement, il est beau. C'est un beau... c'est un beau soft shell. Puis gris, voilà, je trouve que c'est sympa. Donc, très contente. Non, mais voilà, enfin, ça, je crois que c'est le bon plan du monde. Hein. 3 euros le soft shell, enfin, en mètre... imbattable quoi. Ensuite, il y a quasiment fait, je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Et le dernier, j'ai pris un mètre de. Et ben encore deux jogging noirs pour faire le pantalon de gym à mes enfants. Donc, ouais, c'est noir. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas à tortiller, hein. C'est noir. Noir, c'est noir. Et on a 1m10. Donc parfait. Parfait, parfait. Donc voilà pour la commande Driessenstoffen. Je ne me rappelle plus pour combien j'en ai eu. Moins de 100 euros, ça c'est sûr et certain. Mais je ne me rappelle plus du montant là. Et puis bon, de toute façon, ça ne change pas grand chose. Les frais de port sont toujours à 8,95 €. Qu'importe le montant de votre commande. Ah oui! J'ai été livrée ultra rapidement parce que honnêtement j'ai commandé, on est quoi là, on est dimanche, j'ai commandé je crois lundi ou mardi et j'ai reçu ma commande, non, j'ai dû commander dimanche, ouais c'est ça, j'ai commandé dimanche et jeudi ma commande était au point relais. Donc franchement c'est une rapidité de dingue, franchement c'est ouf. Donc voilà pour cette commande là, je vais incruster, ah oui donc en fait il me manque deux tissus, il me manque un tissu violet qu'ils appellent poilu sur le site, ça m'a fait délirer. Parce qu'en fait, le problème de Driessenstoffen, c'est que même si vous avez des souhaits, vous voyez, en fait votre panier au bout d'un moment il s'efface. Et moi, il y a des fois, j'ai rajouté des trucs sans les mettre dans mes souhaits. Et quand j'ai validé ce soir-là, parce que j'avais peur de passer à côté du softshell, j'ai dû refaire ma commande. Et j'ai oublié le tissu poilu violet. Donc, heureusement, Anaïs, des cousettes de Clochette, passait une commande. Peu de temps après. Bah, je crois que c'était même le jour même, je ne sais plus trop. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, rajouter ce tissu? J'ai complètement oublié de le remettre quand j'ai validé ma commande. Donc voilà, on a fait du bis-bis toutes les deux et c'est beau. Donc je suis en attente de réception de ce tissu-là. Et le fameux rose poudré que je vous montrerai. Donc là, je vais faire une pause. Hey, alors on se retrouve un autre jour. Vous voyez, je ne suis pas coiffée, maquillée, patati patata, habillée de la même façon. Parce que j'ai reçu encore des tissus et je voulais les inclure dans cette vidéo parce que sinon voilà je... Là très clairement voyez-vous je ne vais pas faire d'achat, vous ne verrez pas de haul sur ma chaîne pendant vraiment un certain temps. Ouais, les cheveux c'est vraiment très approximatif. Donc vous, ouais là c'est clair, je vais vous montrer bon, qui peut craquer mon slip. Donc voilà, là je vous montre les tissus en fait que j'ai reçus de Driessenstoffen qui étaient pas. Que j'ai reçus différemment. C'est-à-dire qu'il y en a un, comme je vous ai dit, en fait, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est quoi? On est le 4 décembre. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis en RTT, je suis trop contente. Donc vendredi 4 décembre et en fait j'attendais d'avoir reçu la box des bobines
pour recevoir le tissu, puisque c'est Anaïs qui me l'a envoyé en même temps dans ma box. Donc, le fameux tissu poilu dont je vous parlais, en fait, le voilà. Et j'en ai marre de cette lumière. Et encore, là, on tourne, il est quoi? Il est même pas 4 heures, mais genre, dans une heure, il n'y a plus de lumière. Donc, le voilà, il est violet. Et il est d'une douceur. Mais il est plus clair que ce que vous voyez, par contre. Voilà. Ça aura duré qu'une fraction de seconde. Mais il est vraiment plus clair. Je vais rappuyer pour que vous puissiez voir. Voilà. Il est ce violet-là. Et franchement, c'est une super belle maille. Genre, oh, je vais kiffer. Ça me saoule, vous voyez rien. Mais ça... Oh là là, en plus, aujourd'hui, j'ai mis le fameux gilet Isidore, là, qui me plaît pas, hein, très clairement, au niveau du porté, mais vu qu'il est en Alpen Fleece, j'avoue, je kiffe, parce que j'ai super froid, il fait super froid depuis hier. Donc, je suis ravie de recevoir ce tissu aujourd'hui, il est magnifique, hein. Magnifique, donc c'était 4€ le mètre, donc j'avais demandé à Anaïs de m'en prendre 2 mètres, puisque j'avais zappé, lorsque j'ai validé ma commande Riesenstoffen, mais... Vous pouvez pas avoir un peu de lumière là? Je suis habillée, hein, mais j'ai une robe très décolletée, voyez-vous. Mais oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce tissu. Je ne porte pas de violet, c'est très très rare. Je même jamais. Mais là, c'est vrai, quand j'ai vu cette maille sur Driesenstoffen, j'ai craqué. Donc elle est bien. Attendez, parce que j'arrive même pas à savoir là la laise, elle est où? Dans ce sens-là, parce que c'est bien extensible dans ce sens-là et beaucoup moins dans celui-là. Donc, oh non, ça franchement, je vais kiffer, je vais me faire un pull dedans. Alors, au niveau du pull, je pense que je vais me faire un pull Billy. De toute façon, là, je vais vous montrer, il va y avoir des pulls Billy. Hein. Ouais, un pull. Alors après, modification au niveau des manches, je suppose. Enfin, je sais pas trop encore, parce que j'ai pas redécalqué la taille inférieure, patati patata. J'ai pas modifié encore le patron, mais je pense que ce sera un pull Billy. Mais voilà, vous voyez, là on voit plutôt bien du coup. En fait, c'est ce qu'ils appellent poilu et c'est ultra doux. Et que ce soit sur l'envers comme sur l'endroit, je sais pas si vous verrez bien, c'est hyper doux. Et c'est une maille qui est quand même assez épaisse, donc je pense que ça va être un régal à porter. Franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est de le coudre rapidement et de me blottir dedans, mais c'est une super belle maille. Ah, je suis vraiment très très contente. Donc ça, la référence, je vous l'ai mise, je crois, avant. La vidéo va être totalement décousue, parce que j'inclus des parties, mais on s'en fout. On s'en fout, quand on aime, on compte pas, bonjour Maïté. Donc voilà pour ce tissu, ça me gave que vous ne voyez pas la bonne couleur, mais voilà, ouais, là on est pas mal du tout, donc ça va être très joli. Donc voilà pour ce tissu poilu, et j'invente rien, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et alors, après, voilà, j'ai reçu, donc ça vient aussi de Riesenstoffen. Le tissu vient de chez Driesenstoffen, mais je l'ai eu grâce à Marie, donc une de mes soleils sur Instagram, et j'ai reçu, enfin je suis enfin allée, je la refais, je suis enfin allée chercher mon colis, et franchement je suis trop contente. Donc je vais enfin vous montrer le, je crois que je viens de cracher, pardon, le tissu, mais... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attendez, parce que voilà, chérie m'a envoyé un message, mais au niveau de la couleur, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un peu plus clair, je sais pas. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, mais qu'est-ce qu'il est beau, ça va être trop beau. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de problème. C'est-à-dire que je l'ai attendu, ce tissu. Je suis super contente. Il est magnifique. Donc, c'est toujours le velours qui ne se trouve plus, hein, chez Driesenstoffen. Mais avec les spots, là. Et j'ai peur de couper dedans. Donc, ça, voilà, je le vois bien en pull. Parce qu'en robe, en total look, je n'assumerai pas.
très clairement, mais en pull. Et en fait, vous voyez là, avec la maille poilue, je crois que ça me fait rire jusqu'au bout. J'ai dit un sweet Billy, mais je pense que je vais aussi me faire un pull Amy de Do and Smile, donc de Amy's Couture. Donc je sais pas trop encore. Est-ce que je fais un sweet Billy ou le sweet Amy? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis super contente de ce tissu. Je le trouve magnifique. Bah, franchement, ça me saoule juste qu'on n'ait pas une bonne luminosité, quoi. Mais bon, c'est comme ça, on est en hiver, en même temps, on va se plaindre. Hein. Mais voilà, ouais, on voit la couleur. Enfin, bref, c'est une super belle couleur. Le tissu est vraiment très, très beau. Alors, je me demande juste au niveau de la couture... si les petits pois là, ça va pas poser problème au niveau de la machine. Si vous l'avez déjà cousu ce tissu là, que ce soit parce qu'ils le vendent avec des pois ou avec des étoiles, enfin, si vous avez déjà cousu ce tissu là, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ça vous a posé problème au niveau des aiguilles de la machine ou pas du tout. Donc voilà pour un gros, voilà, gros coup de cœur aussi sur ce tissu. Et puis j'en ai 2 mètres, j'en ai, enfin, elle le revendait et je crois qu'il y avait 2 mètres 10 ou quelque chose comme ça. Ou 2 mètres 30 peut-être. J'ai pas, je vous avoue, j'ai pas vérifié, je lui fais confiance. Mais du coup, je sais. Non, je vois pas une. Oh, quoique. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là déjà, quand je vois les deux tissus, je trouve que c'est joli. Hein. Limite, on pourrait se faire un, je sais pas, un ensemble avec. Non, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Et surtout, je voulais juste vous montrer, parce que ça m'a trop touchée, en fait, avec le colis. Donc, avec l'envoi du tissu, elle m'a envoyé ça. Et je crois que, enfin, en gros, vous me connaissez trop bien. Parce que le tissu, il est magnifique. Je crois qu'on peut se dire, c'est une cotonnade. Je crois qu'on peut dire très clairement qu'il est magnifique. Donc, c'est un petit bout de tissu, mais je m'en fous. En fait, la tension m'a tellement touchée et je crois que je vais l'encadrer. Parce que je le trouve trop beau, j'ai pas envie de le couper. Donc, je pense que je vais me faire un petit cadre et le mettre dedans. Et j'ai aussi une petite carte, mais ça, c'est personnel. Donc, voilà. Voilà, voilà pour les tissus Dressenstoffen. Et je vais faire un autre rush. Voilà, voilà. Et voilà, j'ai repassé une petite commande chez Benitex. Une petite commande, vraiment petite. Non, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas de pète au casque. Pas du tout. Je gère très bien la frustration. Non, on est d'accord, j'ai un sérieux pet au casque. Mais en fait, j'ai eu un tel coup de cœur sur ce tissu que quand je vous ai fait la vidéo là où justement il m'avait donné des échantillons. Donc Benitex, s'il vous plaît, vous ne mettez plus jamais d'échantillons dans mes commandes. S'il vous plaît. Je vais leur faire un mail rien que pour ça. Non, parce que là, c'est plus possible. Et en fait, voilà, bah, j'ai acheté le molleton. Je l'ai acheté parce que je le trouve super beau. Il est Pops. C'est un mélange de Punch et Peps. Il est... Je trouve que... Ah, mais je sais pas. Voilà. En fait, il donne... Comment dire? Il met de la bonne humeur, quoi. Vous voyez, de la couleur, comme ça. Je trouve qu'en plus, tout de suite... Boum! Ça donne bonne mine, vous voyez. Enfin, j'adore. Et lui, par contre, c'est sûr, ça va être un Sweet Billy. Sûr, c'est le Sweet Billy. Donc j'en ai pris 2 mètres. Alors ça, c'est, par contre, c'est un peu chiant chez Benitex. C'est que, à la limite, j'aurais voulu prendre 1,5 mètre. Vous voyez, mais vu que c'est que par mètre, bon, bah j'ai dû prendre 2 mètres. En plus, je crois que c'est une grande laisse, ce tissu-là. À vérifier. Allez voir sur le site. Il en restait encore. Hein. En plus, aujourd'hui, c'est le Black Friday officiel, on va dire, en France. Bien sûr, j'ai passé ma commande avant. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Donc voilà, il était à 10,80 le mètre, je crois. Et ça, voilà, il est appelé molleton quelque chose. En vrai, c'est du French Terry et je sais que cette matière-là tient vraiment chaud. Donc là, les 3 tissus que je viens de vous montrer, bah, vous voyez, pour une fois,
C'est vraiment pour moi, parce qu'il est vrai que j'ai pas mal commandé ces derniers temps, mais c'est beaucoup pour Noël. Donc là, je suis en mode Mère Noël activée, hein, très clairement. Là, depuis ce matin, je n'ai fait que de la couture. Donc, pour les autres. Mais c'est pas grave, plaisir d'offrir. Et là, je vous avoue que les trois tissus, j'ai super hâte de terminer les projets Noël anniversaire pour me lancer dedans. Parce que... Il y a des tissus comme ça, vous voyez, enfin, quand on les voit, on se dit, alors eux, ils vont tout au-dessus de ma to-do list et ça sera les prochains. Bah franchement, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai qu'une envie, c'est de les coudre parce que j'ai envie de les porter, j'ai envie d'avoir chaud. Et je sais que surtout, alors je connais pas le jersey velours, donc je veux pas dire, mais je sais que voilà, celui-là est le violet. Je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas, je sais pas dans quel ordre je vais mettre cette capture-là. Mais franchement, j'ai trop hâte de les coudre. Et ça va être des coutures rapides parce que ça va se monter qu'à la surjeteuse. Et que la surjeteuse, c'est la vie, les amis. Donc, voilà, je le trouve un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Donc, je passe une commande Benitex juste pour ce tissu-là. Voilà. Oui, parce qu'il fallait pas déconner, hein. Fallait pas déconner. Donc voilà pour l'ensemble de mes craquages. Voilà, après comme je vous ai dit très clairement, il n'y aura plus de haul pendant plusieurs mois sur ma chaîne parce que là, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, bah voilà, donc je sais pas comment ça va suivre dans la vidéo, je ne sais pas. Là, on voit qu'il y a un vrai manque d'organisation. Sur ce... Ciao ciao! Ou à tout de suite, je sais pas trop.